Un rêve devenu réalité, les premiers mots de Kylian Mbappé en espagnol pour annoncer sa venue au Real Madrid. Sur les photos postées sur ses réseaux sociaux, Kylian Mbappé, alors adolescent, pose fièrement en équipement du Real devant l'enceinte des Merengues. Et l'attaquant peut avoir le sourire, le désormais ex-numéro 7 du PSG arrive à Madrid par la voie royale. Un contrat jusqu'en juin 2029, estimé selon la presse espagnole à 35 millions d'euros bruts par an. Deux fois moins qu'au PSG, où son salaire était estimé à 72 millions d'euros bruts. Mais Kylian Mbappé pourra compter sur d'autres avantages. Le buteur international de 25 ans aurait négocié de percevoir 80% de ses droits à l'image. Ces contrats publicitaires qui se chiffrent déjà en millions d'euros pourraient eux aussi être revus à la hausse, tout comme certaines primes. Et puis surtout, Kylian Mbappé devrait en plus percevoir une prime à la signature, là encore estimée à 150 millions d'euros versés sur 5 ans. De quoi bien commencer la saison. Le PSG ne touchera aucune indemnité suite au départ du meilleur buteur de son histoire, après 7 années passées au club. Pour le Real, Kylian Mbappé constitue une aubaine. Son arrivée devrait attirer un peu plus les supporters dans les boutiques officielles. Mbappé à Madrid apportera un bon jeu, beaucoup de vitesse, beaucoup de technique. Et c'est un joueur complet. Il n'est pas indispensable à Madrid, mais c'est une valeur ajoutée. Une valeur ajoutée sportive, mais pas seulement. La star française devrait augmenter un peu plus la valorisation du Real Madrid, déjà évalué à 1,40 milliard d'euros. Un club dont la valeur totale est estimée à plus de 6 milliards d'euros.